petit flow. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous sommes peuple papou, situé dans le plus grand et le plus oublié. L'océan Pacifique, Papouasie occidentale. Nous sommes enfants, femmes, au père et mère, victimes d'un génocide lent et silencieux, perpétré par le gouvernement indonésien, de son armée lourde, qui dure depuis plus de 50 ans, et que personne n'entend, et que personne n'entend. Ouvrez vos grandes oreilles, demandez une merveille. Alors qu'il y a la famille qui est en train de souffrir. Ils sont tous en train de souffrir, ils sont tués. Alors il faut arrêter. Hey, oubliez, on nous a oubliés. Mais nous sommes encore vivants. Et nous t'appelons, que notre appel soit entendu. Et que nous, tu puisses faire passer. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Manifeste, manifestez, car à l'instant même où tu m'entends, traqués comme des chiens dans leur propre maison, ils sont torturés jusqu'à la mort. Enfants, femmes, hommes, père, mère, victimes d'extermination lente, d'une extermination dans le temps qui dure encore maintenant et que personne n'entend depuis plus de 50 ans, comme si nos vies. Nos vies ne valent pas la peine, non, d'être sauvés. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Manifestons, résistons comme nous le pouvons, avec pas beaucoup, avec même nos lances face aux canons. Mais nous résistons, mais nous fuyons. Vie, 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 et nous t'appelons que par tous les moyens possibles, notre appel soit entendu et que tu puisses le faire passer à d'autres. Puis à d'autres manifester, car on nous a oubliés, on nous a oubliés. Nous t'appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent.
des médias, oublier des ondes, oublier dans l'océan le plus oublié du monde. C'est peut-être aussi pour ça que tu ne sais pas ce que nous vivons. Alors nous t'appelons, nous appelons, nous t'appelons. Yes, les frères, voilà. N'oubliez pas, nous sommes des hommes de cœur. Alors, franchement, les frérots, merci beaucoup. C'est pour Paulo Hamo, son cri d'alarme qu'il a poussé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc voilà, je m'appelle Doom, frérot. L'Indien et Alix. Voilà, on est français, on a fait cette petite vidéo pour crier aussi notre peine, parce que franchement, ça m'a arraché le cœur. Alors, franchement, alors, nous vous appelons. Nous vous appelons. Vous. Nous vous appelons. Appelons. Nous vous appelons la famille. La famille. Harmonie. Paulo Hamo, suivez-le. Pensez à ça. Il y a un petit souci.